Salut à tous, Dis-toi Fred, épisode 14. Ce sera une vidéo assez courte parce qu'elle m'est venue pendant que j'enregistrais la vidéo sur TrueOS. Donc je mettrai rien dans le descriptif. Il y a un concept qui est très simple que je ne pensais pas un jour devoir expliquer. C'est le principe des étapes de développement d'un logiciel. Qu'est-ce qu'une version alpha, bêta, RC et finale? Donc, je vais expliquer ça rapidement, ça va prendre 2-3 minutes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas prise de tête. Un logiciel, quand il est proposé en grand public, on dit qu'il est en version finale, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de bugs, de problèmes qui ont été détruits qu'on peut le proposer. Aucun logiciel n'a aucun bug, ça il faut les gens comme ils sont. Un logiciel sans bug, c'est un logiciel qui n'est plus développé, qui est mort. Voilà. Bref. Donc la première étape de développement d'un logiciel, c'est l'étape alpha. En gros, c'est la période qui suit une période de développement intense, où tous les développeurs sont sur le logiciel, modifient énormément. Pour donner une image, c'est comme un cocktail dans lequel on mettrait de la nitroglycérine et qu'on secouerait bien en espérant qu'on ne se prendrait pas une explosion en pleine tronche. C'est-à-dire qu'un logiciel en version alpha, si vous l'utilisez, et c'est à vos risques et périls, il peut très bien vous exploser en pleine face sans autre forme de procès. C'est la version, l'étape la plus instable du développement. Ensuite, quand les fonctionnalités sont définies, on dit qu'on passe en version, le code est un peu stabilisé, on passe en version bêta. Mais ça peut avoir plusieurs alpha, plusieurs bêta, etc. La version bêta, c'est une période où les plus gros bugs d'instabilité ont été détruits. Il reste des bugs, mais quand même, c'est bon, ça ne vous explosera pas en pleine tronche. Vous ne perdrez pas de données. Le programme pourra bien dire je m'arrête d'un seul coup, mais au moins vous n'aurez rien perdu. C'est une étape intermédiaire. Donc c'est quand même une version qui n'est pas complètement stable, mais non plus pas complètement instable, c'est l'utilisable. Mais quand même, il ne faut pas mettre des données trop sensibles avec. Ensuite, on arrive à la période des versions dites RC. RC pour Release Candidate ou Candidate à la publication. Comme son nom l'indique, c'est des versions bêta qui ont été suffisamment polies, suffisamment déboguées, comme on dit, c'est-à-dire que les bugs ont été tués, où il ne reste plus que des petits bugs très très qui ne portent pas trop à danger. C'est-à-dire, par exemple une traduction qui manque, de documentation rédigée, parfois une image qui manque en compagnie. Donc c'est vraiment des bugs qui sont minimes. Il peut y avoir bien sûr 2, 3, 4, 5, 10 RC si besoin est. Et quand on considère que la version RC, la dernière version RC est vraiment stable pour être proposée en version finale, c'est une version finale et on recommence pour un tour. Donc après, bon, mais ça c'est l'étape principale. Il y a aussi l'étape qu'on appelle de pré-alpha, c'est encore plus spécifique. Mais en gros, quand on vous dit qu'un logiciel est en version alpha, c'est qu'il est encore des couches culottes. En bêta, c'est qu'il commence à savoir marcher pas trop mal. En version RC, il peut presque courir le marathon. Et en version finale, c'est un marathonien. Voilà, c'est pour prendre une image d'une personne qui ferait du sport. Voilà, c'est l'image qui me vient le plus à l'esprit. Donc, si vous voulez rester tranquille, prenez au minimum des versions RC ou version finale, mais évitez au maximum et laissez aux plus furieux de mon engeance les versions alpha, bêta et intermédiaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!